On est impatient, je pense, comme tout le monde, mais on est surtout focalisé sur faire une belle performance parce qu'on sort d'un match à Brive où on n'a pas été très bon. On a mis de l'intensité, mais on a manqué de beaucoup de choses. Ce qu'on a travaillé cette semaine, on va essayer de remettre tout dans l'ordre et de faire un bon match ce week-end. Pas forcément une pression en plus, mais on sait que tout le monde attend ça ici, les supporters attendent ça et on doit répondre présent pour les honorer, parce qu'à Brive, ils sont venus, ils étaient nombreux. On les a déçus, mais à la maison, ça fait un petit moment qu'on ne déçoit pas. Donc, on va essayer de continuer ça et de ne pas décevoir nos supporters. Les Castres Toulouse et Toulouse Castres, c'est toujours des gros matchs à jouer, que ce soit sur le terrain, en dehors, la ferveur qu'il y a autour de ces matchs. Donc, ouais, on est tous excités et impatients de jouer ce genre de match. Et ça tombe bien parce qu'il y est samedi, donc à nous de bien le préparer. Là, on s'est tourné depuis hier après-midi sur Toulouse et sur ce derby, oui, voilà, où on sent beaucoup d'excitation aussi de la part de nos joueurs. De jouer samedi, on voit bien qu'on n'a pas de l'infirmerie hormis Ben Ramine, qui malheureusement manquera le match. Elle est vide, hein, pratiquement vide, donc tout le monde veut absolument jouer ce derby. Bon, maintenant, on est surtout focalisé sur notre prestation. On veut vraiment fournir une autre prestation que celle de samedi dernier. Je ne vis pas au quotidien ici. Je ne sais pas quelle est l'atmosphère ici par rapport au match et la venue de Toulouse. On va vite savoir si samedi c'est différent. Si c'est un match différent, on va vite le savoir quand on va arriver au stade. Voilà, parce que bon, les arrivées au stade, je les connais. On va voir si l'arrivée avant le match du Stade Toulousain est différente ou non.